Bonjour et bienvenue, on se retrouve ici. Je vais, comme d'habitude, vous montrer en petite vidéo le temps qu'on se prépare, ce que j'ai fait. Donc, j'ai tué un loup. Les grosses choses que j'ai faites, c'est que j'ai tué un loup. C'était pas. J'avais envie de le garder de côté, mais bon, il traînait trop près de chez nous et c'était très très chiant. Donc, je l'ai tué. Voilà, j'ai tué. J'ai chassé aussi deux lapins et tout ça, vite fait, pour voir si j'avais pas trop perdu avec mon skill. D'archer, mais ça va, ça va, ça va. On tire des belles flèches. En tout cas, en parlant de l'archerie, j'ai fait l'arc et j'ai pu faire 9 flèches pour le moment. Que 9 flèches parce qu'on n'a pas assez de plumes. Donc c'est pour ça surtout que j'avais envie de un peu de, on va dire, de beaucoup, entre parenthèses, farmer. C'est pas énorme honnêtement, c'est peut-être 2 petites heures au grand max parce que j'étais un peu lent. Surtout là, le craft en fait m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, on a 9 flèches, on a un arc et c'est à peu près tout. J'ai pas fait encore les vêtements et tout ça. Par contre, je crois qu'on a les peaux qui commencent à être sèches et on a des boyaux aussi qui commencent à être secs. Donc du coup, on va pouvoir faire de l'équipement bientôt. Donc on va pouvoir faire ça. Donc ça, c'est bien. Ce qu'on va faire, je vais en profiter vu qu'on est là. On a des allumettes. Ah mais je crois qu'il fait jour. Je crois qu'il fait jour. On peut peut-être prendre. Peut-être faire un feu à l'extérieur. Il ferait presque nuit par contre. Ah merde non, il fait plus. Bon, il fait pas très froid par contre. Ah ah! Voilà, c'est pour ça que je voulais faire. Je voulais commencer en fait mon épisode. Parce que je voulais encore un tout petit peu farmer des choses. Hein, histoire de. Que je sois un peu plus près. Alors j'ai vu là, il y a plein de, il y a des cerfs, il y a les nouvelles biches là ou je sais pas quoi. Et là on a un ours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser l'ours. Ça va être un peu la merde parce qu'on a que 9 flèches. Je sais pas si c'est suffisant en fait. Et donc on va voir. Mais il y a tout ça à chasser aussi. Donc honnêtement, j'aimerais bien. Mais bon, on va pas le faire. On va se concentrer sur l'ours. Pourquoi l'ours? Parce que c'est même pas pour la viande, honnêtement. C'est surtout pour le fait que la peau a besoin genre d'une dizaine de jours pour sécher. Donc autant le faire rapidement. Autant le faire rapidement. Et je veux voir si j'ai pas trop perdu de. Est-ce qu'on peut monter ici? Yes! Je veux voir si j'ai pas trop perdu de mon skill pour les ours. Salut, ça va? Ah ouais, j'ai. Très bien. Alors la flèche est cassée. Let's go, let's go, putain de Winnie, vas-y où tu vas? Ah mon dieu. On y va, on y va, on poursuit. Je vais essayer de pas trop crier. Je commence à perdre ma voix, donc on va faire plusieurs épisodes d'affilée avant que je perde la voix. Parce que pendant 2 semaines, je vais plus pouvoir rien faire, sûrement. Ah, mais bon, ça m'arrive souvent. Mais ouais, donc on a du bois sur nous, on n'est pas vraiment fatigué, rien. On a de la bonne vie. Je voudrais, on va suivre donc les traces avec le sang et tout ça, on va le chasser. Hein. Donc ouais, je voudrais faire maintenant pure. Ah oui, j'ai récupéré aussi la peau du loup hein, et elle est en train de sécher. Mais pure chasse quoi, pure chasse. Pure chasse, on tue tout, on récupère toutes les peaux, surtout. Et voilà quoi, on essaye d'aller vite. Et je crois qu'à chaque gros craft, faut faire attention parce que là il y a beaucoup d'arbres, faut voir s'il n'est pas en train de revenir sur moi. À chaque, je crois, entre vidéos, je vais essayer de crafter tout ce qu'il nous faut. Parce que j'ai remarqué quand même que ça prenait beaucoup de temps. Il a bifurqué. Ça prenait quand même toujours beaucoup de temps à crafter. Et c'était pas très intéressant. Ça fait 4 ans qu'on fait la même chose pour ça. Donc ouais, on ira un peu plus vite à chaque fois. Et là, vu qu'on est en mode chasse, on va pouvoir un peu se balader. Merde, elles ont déjà disparu les. Elles ont déjà disparu les traces.
traces ont déjà disparu. Ah, j'ai pas mon sac de couchage sur moi par contre. Ça, ça m'embête. Je l'ai pas pris. Ah, on a une tempête qui se lève. On va rentrer. On va rentrer. Après, j'ai rien fait d'autre de spécial. Hein. Je me suis pas aventuré au... Comment ça s'appelle ? Au wagon, par exemple, en plein milieu. Je me suis pas aventuré nulle part. Il y a juste un cadavre. Normalement, je l'aurais montré en petite vidéo. Il y a juste un petit cadavre que j'ai trouvé. Mais en fait, on était passé complètement à côté. Donc, c'est pas vraiment de la découverte et tout ça. J'ai vraiment essayé de garder le strict minimum pendant que je fais pas d'épisode, en fait. C'est-à-dire... vraiment, je reviens sur mes pas où on est passé. Voilà. J'ai même pas. Il y avait des biches aussi, j'aurais pu les tuer plus vraiment facilement parce qu'elles étaient pile devant moi. Mais je l'ai pas fait parce que je veux qu'on découvre ça. Genre, est-ce qu'on peut prendre leur peau? Est-ce qu'elles ont quelque chose d'intéressant? Donc, on fera ça ensemble. Du coup, je pense qu'on va passer un petit moment dans la maison que. Dans la cabane du trappeur, là, le temps que ça se passe. Et on va peut-être chasser les biches et tout ça, et on verra si on peut pas trouver le cadavre de l'ours. Le l'ours, en fait, va saigner, là, il va sûrement mourir. Genre, je sais pas si on est assez élevé en archerie, parce qu'on est à peine niveau 1. Et je sais que plus on monte de niveau, il y a des trucs genre... genre augmente le saignement, des trucs comme ça. Et c'est vachement utile, vachement utile. Le saignement, c'est vraiment avec le saignement qu'on va tuer... recycler. Vous voyez, on prend que 2 plus pour recycler. Mais on va vraiment tuer la plupart du temps au saignement, en fait. Sauf si c'est des petites choses, du coup on va plus... on va tuer en une fois, mais la plupart du temps c'est le saignement. Okay, très bien. Alors... Ah tiens, une note abandonnée. Ah mais c'est encore un bac. Ah oui, alors j'ai vu un truc un peu étrange, je le montrerai quand on rentrera à la maison. Il y avait un faitout en fait, qui était à un endroit, je vous montrerai si j'y pense. Et honnêtement, je suis persuadé qu'on l'avait déjà ramassé. Je vais être honnête, je pense qu'on l'avait déjà ramassé ce faitout. Mais il y était encore. Donc, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. On fait du feu pour cuire la viande, peut-être. Donc, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Est-ce que j'ai mauvaise mémoire? Parce que ça peut être le cas. Est-ce que la chose est réapparue? Est-ce que le faitout est réapparu et tout ça? Je sais pas. C'est un peu étrange. Que j'aille regarder les épisodes précédents, mais j'ai... ou alors peut-être que je l'ai vu le faitout et j'ai dit ah tiens il y a un faitout et tout, puis après j'ai fait autre chose et peut-être je l'ai pas pris, donc je suis pas sûr, mais bon, il y avait ça. Ça, ce lapin, je l'ai juste tué sur le chemin pendant que j'allais ici. Parce que je voulais trouver les... je voulais trouver l'ours, en fait. Enfin, les ours, parce qu'il y en a 2. C'est surtout ça que je vais faire. Si la tempête s'arrête, même s'il fait nuit, on essaiera de sortir un peu. Très fatigué, ça c'est un petit problème. Je voudrais pas rester trop à l'intérieur non plus. Parce que le mal de l'enfermement va sûrement venir, parce que j'ai fait quand même beaucoup de craft, de flèches et tout ça.
Alors si jamais ça vient, honnêtement, je pense que je ferai encore un peu de farm en dehors des épisodes et j'irai genre dormir à l'extérieur. Pour éviter qu'on perde sur... sur l'aventure. Tous les faire comme ça, comme j'ai dit. Hein. Tant qu'on n'est pas au niveau 5 de la cuisine, on bourre la cuisine. C'est vraiment good. Ah, il me faut de l'eau. Une chose à savoir, c'est que les champignons, on va en trouver des tonnes et des tonnes. Ça, c'est pas vraiment... C'est vraiment pas la chose qui manque, en fait. Très bien. On a la viande là. On pourra... Je vais la garder, la viande. On va la manger, puis on va dormir. Okay, la tempête a l'air de se calmer un peu. On va dormir, je pense, 2 petites heures. J'en sais rien, en fait. S'il fait vraiment pas froid, on peut peut-être chasser maintenant. Par contre, j'ai plus de bois, ça c'est bête. Parce que je voulais, en fait, j'avais gardé un peu de bois de côté. C'est surtout... Ah, tiens, on n'a pas froid, cool. Et c'est surtout pour... Putain, si on n'a pas froid, on peut peut-être aller essayer de trouver l'ours. Là, il n'y a pas l'air, il n'y a plus l'air d'avoir les cerfs. Il n'y a rien qui bouge. Ah, j'aurais dû quand même garder mon sac de couchage, hein, j'avoue. J'avoue que j'ai été bête. Parce que on peut peut-être rester à l'extérieur et dormir en fait à des moments. Comme là par exemple. Donc j'avoue que j'étais très bête. Ça me prenait du poids mais en fait on est encore très léger. On n'a pas des gros vêtements. Et j'étais con. Donc j'aille récupérer ce sac de couchage. J'entends, je vois aucun corbeau. Je vois strictement rien. Ça m'embête un peu. On peut peut-être refaire le chemin inverse et rentrer à la maison. De toute façon, qu'est-ce que j'ai laissé là-bas? Ouais, un boyau, une peau et c'est tout. Quoi. Il y a de la viande à l'extérieur et tout. Enfin, on n'a rien perdu. Quoi. Ah, attendez, si on a... Très très calme. Ça m'embête pour l'ours. On risque de le retrouver quelque part, mais
Si on allait vers le lac, c'est un peu loin, mais... Là-bas, il y a un truc qui bouge. C'est peut-être un loup, alors une biche. Vu la façon, j'opterais plus pour le loup. On va voir. On va aller vers un lac. Il y a un lac gelé pas trop loin. Il est petit. Il y a une petite cabane de chasseurs et tout ça. On peut se cacher à l'intérieur. Tu veux passer... Ok. Passer la montée. Genre monte les genoux. On t'a jamais appris à l'école. Genre quand tu fais du sport, genre y a talons fesses et y a montée de genoux et tout ça. Non, t'as jamais appris ça. Ah ben voilà. Ah ben voilà. La petite cabane elle est là-bas. Ah merde. C'est vrai que je peux pas m'abaisser et tirer avec l'arc encore. Donc j'avoue que c'est un peu la merde. Ah, j'ai entendu un aboiement. Yes. Oh, attends. Si on peut faire une pierre de coup. Yes. Go, 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 go. Headshot, headshot, yes, let's go. D'abord on va... Ah putain, je peux pas... Headshot, donc c'est quoi ça? C'est carcasse de cerf. Bah c'est un cerf... je sais pas, c'est... mais ça s'appelle un cerf aussi quand c'est femelle, sans les cornes. C'est moi qui suis... Je vais pas dire illitré, mais... qui suis sans... connaissance de la vie animale. Est-ce que c'est ça? C'est... Hein? Est-ce que c'est ça? 20 minutes pour les boyaux. On a besoin de boyaux et de peau en premier. Hein. C'est surtout ça. Donc ouais. Il y a même ça. Je devrais prendre la peau aussi. Est-ce qu'on a assez... On n'a pas beaucoup de feu. Pas vraiment faire du feu. Enfin, après, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on n'a pas froid, mais je voudrais bien faire cuire la viande pour potentiellement en manger. Mais bon. On va voir. On peut faire... Alors, on coupe vite avec ce couteau. On coupe très très vite avec ce couteau. C'est très très bien. Kilo. 5 kilos de viande, c'est pas mal. Ah oui, il y avait le loup aussi. Vu que le loup, pour le moment, on va pas manger le loup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits steaks de 0,5 kg pour que... On est à 30 kg, ça va, c'est très bien. Cru faisant des... Ok. C'est un cerf qui fait ce bruit-là? Ouais. Ok. J'ai fait des 0,5 pour pouvoir les cuire. Et ça, je les cuirai, mais pas en épisode, parce que sinon c'est chiant, on se fait chier. Je les cuirai en dehors. Et comme ça, peut-être que j'essaierai de booster la cuisine, du coup. J'essaierai de booster ma cuisine. Waouh, il fait super. Okay. On va rentrer parce qu'on doit être super lourd. Et là, par contre, on a visibilité zéro quasiment. Si je mets ma cam, vous me verrez avec des, genre, des gros yeux bien ouverts. Genre, si vous voyez un mouvement un peu sombre noir qui bouge, on est dans la merde. Non, ça c'est des souches d'arbres. On va rentrer. Ouais, là-bas il y a un cerf. Oh, il y a des lapins. Je vois un lapin. Je vois un caillou qui bouge. C'est un lapin. C'est bête, on n'a pas assez de charbon. J'aurais bien voulu dessiner aussi un peu la map. Mais non, c'est pas grave. Mais là, ouais, là on a bien géré. Là on a bien géré. Il a récupéré beaucoup de viande et beaucoup bah, peau. On a deux peaux, deux boyaux, très bien, et beaucoup de viande.
Donc du coup, en fait, je pense qu'avec le rajout de ces serres là, sans les cornes, enfin ça s'appelle pas des cornes, ça s'appelle quoi, des bois, là, les bois. Sans les bois, je vais crever moi si je tombe. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'on a un peu plus de vie animale du coup? Donc c'est plus intéressant pour nous. Je crois, donc on a plus de chances de... Ça nous donne plus une occasion un peu plus grande de faire de la nourriture peut-être, j'ai l'impression. Parce que honnêtement, j'ai l'impression de voir les deux types de serres assez souvent ensemble, et à chaque fois il y en a deux, trois en fait. J'avoue qu'avant c'était quand même assez rare d'en voir bah, ensemble en fait, tout simplement. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus souvent. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors là, est-ce qu'on peut commencer à genre manger, genre tout le temps de la nourriture et tout le temps être en positif, en calories? Techniquement, on peut. Techniquement, on pourrait, mais ça demande quand même beaucoup de chasse. Et comme ça, on peut avoir le bonus de 5 kilos, là. Mais bon, on peut le faire, honnêtement, on peut le faire. Surtout que là, on est un peu en mode... Je vois pas grand-chose. Surtout que là, on est un peu en mode... On veut tuer un peu tout ce qui bouge, pour les peaux, surtout. Genre là, par exemple, ça nous fait 2 peaux de loup, je sais plus... Ah, je crois que c'est 4 pour le manteau, donc on n'en est pas encore là. Mais tuer des loups, c'est bien, parce que du coup, ça nous laisse un peu plus de liberté, on peut se déplacer un peu plus facilement sans trop être dans la merde. Mais pour les serres, il y en a beaucoup. Ça, il nous en faut. Il nous faut au moins, genre comme j'avais expliqué, il nous faut deux pantalons, il nous faut les bottes. Donc c'est à peu près 6 peaux, je crois, un truc comme ça. Donc ça, dès que ça bouge, hop, flèche, tête, direct. Et par-dessus tout aussi, après, il nous faudrait le l'ours. Alors ça m'embête un peu de... D'avoir un peu perdu l'ours de vue. Faudrait continuer à essayer de le trouver en fait. Ça m'embête un peu par contre. On verra. Ça c'est le boyau. Ça c'est la viande. Comme ça. Et les boyaux il faut les mettre à l'intérieur. Parfait. Vous voyez, ça c'est une bonne chasse, ça. Ça c'est une très très bonne chasse, ce qu'on a fait. Très 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 bonne chasse. Pam pam, boyau jeté, très bien. Alors on a donc popo. Et puis on a laissé en plus de la viande sur le cerf, du coup, parce qu'il y a zéro et quelques. Je fais toujours des steaks de 1 kg, c'est le mieux honnêtement. Donc il y a ça, et il y a toujours la carcasse du loup. Donc en théorie, on va avoir des vautours, des corbeaux. On va pouvoir prendre des plumes. Donc ça c'est bien. On va devoir boire ça parce que j'ai pas d'eau. Donc on va boire ça au max. On va voir combien de calories on arrive et après je mangerai en rapport avec ça. Ok, on a combien de calories? 330. 300. Ouais, c'est 500 quand même le truc qu'on a. C'est chaud. Comme un gros gros morceau de lapin ça. On peut peut-être manger ça à la place. Du coup, il faut que je reboive. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais, le fait de ne pas avoir d'eau. Est-ce que j'ai tout bu ou pas? Ouais, j'ai tout bu en fait. On va faire ça. Ça nous refait encore des calories. Ok, très bien. Très très bien. Qu'est-ce que. Ah merde, je suis à côté de l'établi, pas du lit. Alors, 9, 10. Parfait. Parfait, parfait. Fait juste jour. Par contre, on va avoir un problème avec l'eau. C'est embêtant. C'est embêtant. On va devoir faire de l'eau ou alors on rentre. Faut voir un peu le temps. On va peut-être rentrer en fait. Histoire de poser les objets où ils doivent être. Ouais.
va peut-être rentrer. Ça, par contre, pour la nourriture. Alors, il y a un truc à faire qu'on peut fabriquer. Ce serait un truc en pierre. Où on peut mettre des objets dedans et marquer. Je vais le montrer quand je rentre dans la maison. On pourrait le faire, mais c'est genre une cinquantaine de pierres. C'est débile, honnêtement. J'en avais parlé de ça. Ok. On va pas prendre tous les steaks, on va en prendre 2-3 pour rentrer à la maison. Alors, regardez, c'est... Alors, peut-être pas là, c'est peut-être là. C'est... Est-ce que c'est là? C'est ça, la cage de pierre. Impossible qu'on... Ah, mais ils le disent pas. Alors ça, la cage de pierre, c'est sympathique, parce qu'en fait, vous pouvez le marquer sur la carte. Avoir un point et tout ça de repère, parce que vous pouvez changer les repères et tout ça. C'est vraiment cool, c'est sympa dans l'idée. Mais c'est genre 50 pierres, je crois bien, pour en faire. C'est complètement débile. Complètement débile. Parce que ramasser 50 pierres, c'est long. C'est chiant. Et au final, c'est pas si mal juste de laisser la viande par terre, en fait. Après, bon, j'avoue que c'est plus logique de les mettre genre dans un endroit où c'est protégé avec des pierres et tout. Mais voilà, quoi. Moi, je passe jamais mon temps à faire ça, quoi. C'est con. C'est complètement con. Donc c'est triste, c'est bête. Vraiment, si vous avez le temps, quoi, à la limite. Si vous avez du temps à perdre. Mais nous, on est en intrus, on n'est pas complètement blindé en équipement. Je cherche tout ce que j'ai mis par terre, pour être sûr. On n'est pas complètement blindé en équipement, donc... Donc perdre du temps pour ça, c'est un peu bête. Je trouve ça vraiment très con. Okay, je pense que j'ai tout. On va devoir boire encore un tout petit peu. On pourrait faire du feu pour réchauffer ça, mais je crois pas qu'on en ait vraiment besoin, honnêtement. Voilà. On est à 26 kilos. Moi, ça va. Par contre, on va se faire chasser par les loups. Hein. On va se faire vraiment chasser par les loups. Non, là, il fait pas extrêmement froid. 2, 3, 4, 30 kilos. On va en laisser 3 là, c'est très bien. On a les pots, c'est le plus important. Pots, 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 boyaux, boyaux. Ok, si elle pose en premier, c'est les boyaux. Donc à la limite, si on se fait chasser, on peut balancer un boyau. Parce que les boyaux, ça va commencer à... On va commencer à en avoir beaucoup. Mais le problème, c'est... Encore une fois, je pense que le plus important... Ah, c'est les pots. Non, je vais être honnête, c'est les pots. D'abord les pots. Puis après boyau, oh, on n'a pas regardé la cabane qui est au lac, je sais, on le fera la prochaine fois. Les pots, parce qu'il faut que ça sèche, ça met longtemps. Boyau en fait on en a besoin pour énormément de choses, même des choses qui sont un peu absurdes. Genre, coudre des équipements avec boyau. Ah bah attendez, je vais vous montrer ça. 50 pierres, c'est bien ça, ça n'a pas changé, donc c'est inutile. Genre coudre avec des boyaux. C'est un peu chelou quand même, les boyaux séchés. Alors que les boyaux, on peut les faire en fil. Vous voyez? Donc c'est un peu étrange, je trouve, des fois. Créer des vêtements. Donc du coup, on en a... On l'a trouvé... Vous voyez? Complètement au hasard. C'est ça que j'adore dans le jeu. Ah, la licorne est bien. L'icône de viande est bien. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le couper, mais ça prend 2 heures. C'est toujours 2 heures, ça, par contre. Mais à la place, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, on va avoir froid et tout. On va perdre de la vie, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Okay. On a le plus important. Bah ça c'est bien parce qu'il est à cet arbre là et je crois que sur la carte ça s'appelle l'arbre de la sépulture de Max, je crois. Un truc comme ça. Donc du coup il est super bien marqué sur la carte. Donc cool. On a 10 boyaux. Alors il y a un truc aussi, oui, couper en morceaux là. Alors c'est vachement intéressant. Parce que, alors par contre c'est un chiffre fixe, c'est toujours 2 heures. C'est toujours 2 heures pour faire ça. Alors le truc c'est que... Ah, c'est quoi ça là-bas? C'est un loup ou pas? Non, c'est rien. Donc, en 2 heures, vous allez découper la peau, les boyaux, et après la viande, ça va être dans des sacs.
Alors la peau par terre c'est bien parce que du coup, parce que la peau, nous on a un couteau de chasse, mais c'est vrai que ça met du temps en fait à découper la peau. Les boyaux ça met aussi du temps, et puis il y en a 10, c'est beaucoup. Et après les sacs de viande c'est moins intéressant parce que les sacs de viande en fait c'est deux fois le poids. Et après il faut les recycler, il faut recycler les sacs de viande en fait pour récupérer la viande et pouvoir l'utiliser. Pouvoir la faire cuire et manger, etc. Donc, ce genre de choses à faire, je pense que c'est... Après, c'est peut-être une heure sur les autres animaux plus petits, mais ça m'étonnerait, je pense que c'est toujours 2 heures. Donc, c'est bien, en fait, si vous n'avez pas d'outils, j'imagine, enfin, peu d'outils, genre pas des quoi, comme un couteau de chasse ou un truc comme ça. Et peut-être si vous avez pas... vous êtes très bas en niveau de carcasse, là, de récolte. Et surtout si vous n'avez pas trop le temps, parce que là, et vous voulez tout récupérer. Nous, on voulait surtout récupérer la peau. C'est surtout ça, en fait, qu'il nous fallait. Donc, honnêtement, les 10 boyaux, je m'en fous un peu. Parce que, de toute façon, tout le monde a des boyaux, c'est bien. Et la viande, comme j'ai dit, on peut toujours pas la manger. Donc, ça sert à rien de la récolter, maintenant. Mais, comme j'ai dit... Hop, oh, putain, j'ai fait peur, ce coup. Mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant, ce système-là. Eh, vous avez vu, il bifurque un peu. Genre, il essaye de voir où je vais. Non, il est pas aussi intelligent. Mais voilà, c'est intéressant ce système qu'ils ont rajouté comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Et des fois, ça a été vachement intéressant de faire ça. Surtout s'il est complètement exposé, genre la carcasse est complètement exposée. Vous allez tout découper et après vous allez récupérer les sacs et vous faites des allers-retours et tout ça. Mais comme j'ai dit, le problème c'est que les sacs sont très très lourds. Genre vous avez 2 kg de viande, bah du coup le sac fait 4 kg. C'est beaucoup. C'est beaucoup beaucoup. Ah, on a un cerf là-bas aussi. Donc on peut faire encore une pierre de coup peut-être. On balance le cerf sur le loup. Et on le loup tue le cerf et on tue le loup. Ça peut être pas mal ça encore une fois. Ça peut être pas mal. Ça peut être très très bon. A chaque fois aussi, pour tuer les trucs, j'essaye toujours de les faire venir près de la maison. Comme ça c'est plus facile. Voilà. Parfait. Nickel. Très très bonne chasse. En très peu de temps, on a fait des très très bonnes choses là. Ah tiens. Ça a bougé, j'avais pas bougé ça. Vous voyez, le faitout qui était là, je sais pas si je l'ai pas pris ou pas en fait, je sais plus. Mais bon, voilà, maintenant je l'ai mis là. Donc peut-être que j'ai oublié de le prendre en fait, tout simplement. Ça c'est bien. Attends. Viande. Donc on a peau. Lapin. On va mettre ours ici. Très bien. Il faudrait un râtelier. Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça a un nom spécial? Genre un outil pour faire pendre les peaux, vous voyez? Un rack? Non, je sais pas si ça a un nom précis. Je sais pas. Mais voilà. Par exemple, quand on aura la customisation des bâtiments, honnêtement, s'il n'y a pas ça, je vais être déçu. Parce que mettre toutes les peaux par terre comme ça, c'est vraiment relou. C'est vraiment extrêmement relou quand même, au final. Parce qu'en plus, la plupart du temps, vous n'avez pas la place. Et vous les superposez, vous voyez même plus ce que vous avez. Les boyaux, je fais pareil, j'essaye de voir la différence de couleur. Vous voyez la différence de couleur entre le frais et pas le frais. Et c'est comme ça que je les récupère, mais sinon, on les met tous au même endroit. Alors ça, ça va prendre... séchage intérieur pendant 12 jours, putain, c'est... C'est trop long, c'est trop trop long, ça va être une catastrophe, enfin bref. 12 jours, on a un séché, 2 séchés, 3 séchés pour le cerf, et on en a 5 en tout. On en a 5 en tout, fais voir un peu. Donc 5 en tout, donc on peut faire... On peut faire les bottes, comme j'ai dit, les bottes, ça sera le truc qu'on fait en premier. Un manteau en ours. Après, on ira sur les pantalons.
Manteau en loup, il nous en faut 4. Ah, on va se débrouiller. Ah oui, il faut que je prenne de l'eau. Et il faut que je prenne du bois aussi. J'ai pas de bois. Ah, on est dans la merde niveau bois. Faut que je pose toute la viande que j'ai aussi. À un moment, il faisait tellement pas froid à l'extérieur que j'ai coupé du bois aussi. C'était sympa. Alors, on a 10 flèches, 10 plumes, pardon. On va poser ça aussi. 10 plumes. Donc, je vais pouvoir refaire des flèches. Donc, je les ferai, mais pas maintenant, parce que sinon, c'est une perte de temps. On va directement repartir. Ah oui, par contre, l'ouvre-boîte, là. Putain, casse-toi. Ça sert à rien. Je prends le sac de... Non, on va rester aux alentours. Pas besoin du sac. Alors, ça... Ok, très bien. Vous voyez, en plus, ça, c'est bien, parce que ça va quand même générer pas mal de plumes. Je me rappelle que la dernière saison, quand ils avaient fait une mise à jour, il y avait un bug où les plumes étaient extrêmement, extrêmement rares. Vas-y, va sur le truc. Il était extrêmement rare, donc ça foutait vraiment la merde. Yes. Ça foutait vraiment la merde pour récupérer des plumes. Juste là, en fait. Il y en a deux. Par contre, j'aimerais bien me mettre devant lui, en fait. Pour lui mettre dans la tête. Waouh ! Un peu trop de loup, là, quand même. Hey! Let's go, vas-y, viens. Voilà, viens, suivant. Vas-y, suivant, viens. Vas-y. Voilà, très bien. Carnage. Voilà, on a nos pots maintenant. On a nos pots. Putain. Trop bien. Ok. C'est la peau qui... carnage. Ah, bah, là, on est passé de chasseur survivant à braconnier quand même. C'est braconnier. C'est braconnier parce que la viande, on va pas la bouffer. Ah, c'est surtout pour les pots. Donc là, on est devenu braconnier quand même. On est devenu tout ce qui est le plus détesté dans la chasse. Un braconnier. Oh mon dieu. On va poser la peau direct. C'est le plus important. Par contre, il fait froid, c'est chiant. Je sais pas pourquoi je me baisse quand je rentre dans les bâtiments. C'est l'habitude de passer une zone et de se baisser, en fait. Voilà. Et du coup, on peut même faire notre vêtement en peau de loup. C'est combien de jours, en fait? Ça, c'est 7 jours. Ça, c'est 5 jours. C'est pour ça que, vous voyez, que ça a plu, quand même, les cerfs. On peut aller récupérer la viande. On peut aller récupérer la viande du cerf, à la limite, déjà. Ça sera bien. Il faudrait qu'on récupère la peau, quand même. Peau des loups. Peau des loups. Pam. Très bien, nickel. La peau des loups. Mais il me faut du bois. On a zéro bois, en fait. On a que ça, je crois. Je crois que j'ai mis zéro bois. Nul. Ah, si! Putain, je suis... On a ça. Ok. On peut peut-être aller...
J'ai combien de poids? 27 kilos. 27 kilos avec le bois. Vous voyez, ça, c'est les petits steaks que j'ai fait 0,5 à chaque fois. Mais on n'est pas très loin. Honnêtement, on a tué tellement de loups là. Je pense qu'on est tranquille, honnêtement, pour se balader. Ah, attendez, on va prendre les faitous. Peut-être qu'avec les faitous, ça cuit plus vite, je crois. Je suis pas complètement certain. Et je pense que ça va être la fin de notre épisode. Ah, mais putain, bah, après, il faut les récupérer, les faitous. Oh là là, c'est quoi ces 2 kilos là? 1 kilo. 1 kilo. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois qu'ils cuisent plus vite. Pas complètement sûr à chaque fois. À chaque fois, je fais pas vraiment trop attention. Mais là, on n'est pas loin. Donc on s'en fout un peu. On peut faire des allers-retours. T'es sérieux? Encore un? Sans déconner. Putain. Vas-y, ramène ta fraise. Quand on commence à bander l'arc, c'est là qu'ils attaquent. Très bien. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un truc, comme j'en avais parlé dans les derniers épisodes, où des gens ont rapporté le fait que des fois, ils trouvaient énormément de loups. Genre, il y a un mec, il en a compté à peu près 15 au même endroit. Parce que des meutes de loups, d'accord, mais 15, c'est pas normal dans le jeu. C'est pas normal. Donc ouais, ça fait un peu peur. Ah là, ça nous en... Oh là là, c'est vraiment bien quand même. Niveau plume, ouais, c'est vraiment cool. Alors, on va mettre le feu... Là. On peut pas faire du... Non, c'est trop. Très bien. Il nous faut des têtes de... Enfin, il nous faut du petit bois, en fait. On commence à être un peu à court de petit bois, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des massettes. Et là, on avance super bien. Là, on a fait... Là, on a boosté le... Notre avancée là. Comme j'ai dit, il faut récupérer les pots très vite. Comme ça, on est tranquille. Okay. Donc, ah bah tiens, on va faire un test. Pam, pam. Donc, on fait tout là. Je prends ça. Cuir, viande. 41 minutes. 51 minutes. Vous voyez, on gagne quand même. Donc ça vaut le coup. Ça vaut quand même le coup. Donc on va prendre d'abord la viande, parce que si jamais on veut faire le système là, de rester en positif, en calories positives, il nous faut de la viande. Très bien, 16 minutes. Le couteau, il va vraiment être utile. Hein. C'est vrai que j'avoue qu'on va aller plus vite pour tout. Mais bon, honnêtement, je le vois pas vraiment comme une... Enfin, c'est pas ma faute. C'est Interland qui sait pas faire de mise à jour. Donc c'est pas ma faute. Mais le truc, c'est que je le vois pas vraiment comme une... À notre niveau de jeu, je le vois pas vraiment comme une facilité ou comme une tricherie. Parce qu'en théorie, on devrait pas avoir ce couteau. Je le vois pas vraiment comme une facilité ou comme une tricherie. Parce qu'on a tellement d'expérience en fait dans le jeu, qu'on a tellement joué, vous voyez. Donc en gros, c'est juste qu'on va un peu plus vite. Et c'est honnêtement, c'est léger, hein, c'est tout léger. La vitesse qui est rajoutée, qui est un peu augmentée par rapport au fait qu'on découpe plus vite et tout ça. C'est très petit. Mais voilà, ouais, je le vois pas vraiment comme une... Je le trouve... Dans un sens, je trouve ça fun pour moi. Parce que je me dis que... Ouais, on a eu beaucoup d'expérience. Et puis en plus, on a trouvé le couteau. C'est sympathique. Ça fait comme si c'était un...
je sais pas, genre un... Comment expliquer? Genre un souvenir, vous voyez ce que je veux dire? Genre un souvenir, et on a que ça qui est vraiment... genre... utile et efficace, vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça, donc ça j'aime bien, moi. Je récupère un peu plus de bois. Donc, je sais pas, je trouve ça sympa. C'est pour ça que j'ai hésité sur, à faire un couteau improvisé. Mais au final, non, 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 on va garder celui-là et on va essayer de le maintenir et tout ça, de l'aiguiser et tout. On a 3 pierres. Après, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, enfin dans l'histoire, qu'on va découvrir des choses, on va quand même tomber un peu à court de pierres à aiguiser. Hein. Donc le machin, au bout d'un moment, on va plus pouvoir l'utiliser. Mais bon, enfin c'est au bout de plusieurs heures. Ah oui, il me faut du charbon pour pouvoir dessiner. Mais je crois que j'en ai récupéré un ou deux. On va voir, on va pouvoir dessiner. Parce que c'est vrai que je voudrais bien dessiner la carte un peu plus souvent. Et c'est vrai qu'en ce moment, vu qu'il fait pas extrêmement, extrêmement froid, on peut en profiter. Donc ça, c'est bien. Bon, on avait déjà fait ce coup-là. Wow ! Le soleil. Putain, on aurait pu utiliser la loupe. Est-ce que je peux faire ça ? Ah ok, elle récupère la viande automatiquement. Ok, ça marche. Pam pam. On a 1h12. 2h. Pas trop, on met pas trop à chaque fois. Dans le... Je vais le faire à la main maintenant. Pas quoi que... Honnêtement, faire à la main, c'est un peu con. Faites-le avec les outils, à la limite même avec la scie. La scie, c'est facile à réparer. En fait, la scie, vous allez très peu l'utiliser. Donc c'est un peu l'objet qui est simple à réparer, du coup. Je trouve. 22 minutes encore. On peut couper... couper ça. Après, quand on sera au niveau en carcasse, on pourra le faire à la main. Et je crois qu'on ira aussi vite que avec le couteau. Je crois bien. Je dis pas de bêtises. Très bien. Hop. Encore 1h30. On est en très bon état. Faudra peut-être prendre quelques boyaux par contre. Pour les boyaux, on n'est pas raciste, hein. on prend de n'importe qui, hein. Pas besoin, parce que là on prend beaucoup de viande, de carcasses de cerf, en fait on privilégie les cerfs, mais pour les boyaux, tout le monde a les mêmes, donc il n'y a pas de problème, on n'est pas jaloux, tout le monde va se faire découper, il n'y a pas de problème, tout le monde est égaux pour ça, tout le monde est égal, alors hop. Pendant que... En plus c'est bien parce que là on reste à l'extérieur, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Ça c'est bien pour la maladie de l'enfermement là, c'est vraiment sympa. Je crois qu'on va aller déposer... Faut que je regarde mes skills aussi pour que je vous montre un peu ce qu'on a fait. 7 minutes, mais bon attends, on va attendre. 7 minutes on peut faire ça. Je pense que, honnêtement, je me débrouille nettement mieux. Je vais plus vite, en fait. Nettement mieux qu'avant. Oh, yes, cuisine 4. Yes. Je me débrouille nettement mieux qu'avant. Donc, je suis assez content pour ça. Ah, il nous faudrait 2 heures de feu, j'avais pas vu. Ouais, 2 heures, c'est trop bien. Ça, c'est cool. On va prendre ça, on va les amener déjà. On va peut-être pas tout. On prendra le reste plus tard. Enfin, on peut tout prendre honnêtement, on est vraiment à côté. On est vraiment à côté. Alors après, on ira récupérer le... attaquer l'ours là-bas.
qui est sur la glace, s'il n'a pas bougé. Donc comme ça, ça nous fera une deuxième peau. On peut sprinter un peu, on n'est pas fatigué. Je regrette vraiment pas de d'avoir pris le badge pour... Le badge pour l'endurance, ça c'est ce que j'avais demandé sur mon Discord, ce que les gens utilisaient, et c'est Tonton. C'était Tonton qui utilisait ce badge là, je crois bien. Et j'avais déjà pensé, mais j'étais pas sûr si les gens utilisaient vraiment ce badge, mais au final oui. Et c'est vraiment utile le fait d'avoir l'endurance qui revient. Oui, les badges, enfin les exploits, ça s'appelle des badges. Je sais plus. Très bien, on va pouvoir faire des flèches. Donc ça, je vais le faire hors caméra, encore une fois, enfin hors épisode. Des flèches supplémentaires. On va en garder au moins une dizaine sur nous à chaque fois. Je vais devoir faire aussi les bottes, parce qu'on a assez de pots de serre pour les bottes. Donc on va encore faire des choses... entre les épisodes. Donc comme d'habitude, je vous montrerai s'il se passe des trucs, mais normalement la plupart du temps il se passe rien du tout. Mais ouais, on va devoir quand même. Je vais voir s'il n'y a pas du bois là-bas. Je vais quand même faire des choses comme ça qui sont genre craft, passer des heures à l'intérieur et tout. Je vais zapper ça pour vous, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est pas super intéressant. Même pour moi, c'est pas intéressant de le faire. Donc ouais, la prochaine fois on aura les bottes. Je pense pas que les pantalons... Enfin, on aura assez de peau pour faire les pantalons. Donc ça non. Mais au moins les bottes. Donc ça c'est bien, ça va nous augmenter de 1 degré je crois. Et après on aura encore des flèches en plus. Et comme j'ai dit, peut-être qu'on va essayer de rester en calories positives maintenant. Faut voir. Là on a... grosso modo une dizaine de kilos de viande, je crois. C'est pas encore suffisant. Ça va pas durer très longtemps. 10 kilos de viande, c'est pas énorme. Mais je crois qu'ils ont boosté. Hein. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui me disait qu'ils ont baissé le taux de calories des aliments, mais je crois qu'ils les ont augmentés. Bon, après, maintenant, on a augmenté en cuisine, donc on fait plus de calories, mais je suis quasiment certain qu'ils ont augmenté. Hein. De la neige. Okay. Vous savez quoi, on peut... On est à 24 kg, on est un peu fatigué, mais ça va. Enfin, on a pris toutes les peaux là, donc c'est bon. Vous savez quoi, on va aller visiter là-bas. Il ne fait pas froid en plus. Mais ouais, je crois bien qu'ils ont augmenté, parce que j'ai l'impression que les steaks ils font 900 plus. Les steaks de serre. Je pense pas que c'était 900 plus, non? Je me rappelle plus vraiment. Je crois que dans ma tête c'était 750, quelque chose comme ça pour les loups. Les cerfs c'était du 800. Peut-être. Ah non, c'est peut-être ça. J'en sais rien, je sais plus vraiment. Ah oui, aussi quand je tire à l'arc, j'ai tendance. Enfin, pas tendance, mais. Je préfère toujours récupérer la flèche qu'on vient de tirer. Parce que notre personnage en fait va toujours utiliser la flèche qui a le moins d'endurance. Donc si on commence à tirer des flèches d'affilée sans les récupérer, du coup on va... Putain, on a tué tous les loups qui étaient ici, c'est cool. Bah ils sont tous venus les uns après les autres aussi, hein, c'est leur faute. Donc du coup, pour toujours essayer de se concentrer sur une flèche, je préfère aller la récupérer. Ah, mais c'est un cerf qui est là. C'était un humain avant, je crois, non? Mais tant mieux. Là, ça nous fait encore, encore des trucs. Ah ouais, mais là ça fait... Ouais, parce que c'est gelé, en fait. Ah, on va prendre que la peau et on se casse. Collecte de carcasse niveau 3. Je vais voir. 15 minutes. Ah, c'est rare.
j'espère que l'eau sera bouillie et tout. Là, si je me rappelle bien, il y avait une boîte qui contenait des médicaments, si je dis pas de bêtises. Maintenant, ils ont dû l'enlever. Ah, il y a des petits changements comme ça. Des fois, c'est un peu embêtant pour moi. Déjà que j'ai pas de mémoire, alors je me rappelle de quelques petits trucs. Ouais, je crois que cet endroit, honnêtement, était un peu plus fourni. Je me rappelle strictement rien, quoi, c'est ouf. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un cadavre à l'intérieur. Une boîte avec des médicaments. Je suis sûr qu'il y avait des trucs comme ça. Ouais, maintenant, c'est un peu plus radin. Mais j'ai remarqué que les boîtes, hein, les gens se plaignaient, en parlaient un peu sur les forums, mais je vais être honnête, je pense pareil. Les boîtes sont souvent vides. C'est souvent vide. Peut-être un peu plus que la normale. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas grave. En intrus, on crée tous nos outils et tout, quoi. C'est pas très grave. Voilà, très bien. Eh ben, c'était un super épisode niveau farm et tout ça. Nickel, hein, l'épisode. Nickel, nickel. On a tout augmenté. Je vais regarder un peu les skills après, les compétences et tout ça. Alors, 8 minutes. Eau potable. Oula. On a failli perdre l'eau. Très bien, 6 minutes. On va prendre encore... 0,9 c'est pas mal, on pourrait peut-être le prendre, mais je suis pas trop sûr. Non, je préfère le garder par terre. Ouh, 9 minutes maintenant avec le couteau. Ouais, je préfère garder un peu de viande dessus, c'est pas grave. Par contre, on prend juste les boyaux. Ah, faudrait faire un peu de pêche. Je voudrais bien voir si ils ont modifié la pêche. Ok, 6 charbons, c'est bien. Vas-y, donne-moi des boyaux pendant qu'il fait encore bon. Puis en plus on est honnêtement super tranquille vu qu'on a tué tout le monde. Toujours vous mettre accroupi aussi. Ça évite. Ça diminue énormément le radius en fait sur lequel ils peuvent vous voir. Encore un boyau et on... La tempête se lève. On commence à être fatigué. C'est maintenant... marrant parce que maintenant, vous voyez l'icône en bas à gauche de la fatigue. Il y a ça en fait qui se rajoute maintenant. Et ça, ça me fait peur parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le mal de l'enfermement en fait. Mais non, c'est le risque d'entorse qui se met à cause de la fatigue en fait. Je suis quasiment certain qu'avant ça le faisait pas. J'ai l'impression en fait qu'il s'affiche quand elle commence à être fatiguée, du coup elle descend. Genre vous savez, vous pouvez transporter 30 kilos et quand elle se fatigue, après ça descend, c'est 29, 28, etc. etc. Parce qu'elle est fatiguée, elle a plus d'endurance. Et avant, j'ai envie de dire, je suis quasiment certain que on voyait pas ça. Maintenant ça s'affiche et ça me fait un peu peur. Je me dis, tiens, il y a un problème. Mais bon, peut-être que je me rappelle pas bien, toujours, je sais pas. Pardon. Il y a aussi encore une peau de loup à prendre. Et ça, est-ce que j'ai encore de la vie? Gibier cru. Ah merde! Mince! Ah, j'ai oublié. Ah, mince. Est-ce que c'est suffisant pour survivre, honnêtement? Ah oui, après, il y a le fait de la pêche. Vu qu'il fait pas extrêmement froid pour le moment, on pourra en profiter pour faire de la pêche. Parce que, en fait, le problème avec la pêche, c'est que la plupart du temps, il faut faire du feu. Pour éviter d'avoir froid à l'intérieur des petites cabanes, là-bas. Et peut-être que c'est vrai que ça vaut le coup. On peut peut-être... rester à l'intérieur sans avoir froid, je sais pas trop, on verra. Mais bon, la pêche, comme j'ai dit, c'est pas super intéressant. La pêche, le truc, je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de rester positif en calories. J'ai pas vraiment beaucoup, mais ça peut même. 900
ça. Je suis pas sûr. Faudrait qu'on continue notre chasse en fait. Je sais pas. De toute façon, il faut qu'on monte un peu nos HP, donc autant booster notre barre de calories pour le moment. Et après, plus tard, on verra. Enfin bref. Donc ouais, j'ai pensé aussi à ça, le coup de la pêche, de le faire maintenant pour éviter de se faire chier plus tard. C'est-à-dire, on va devoir genre faire du feu tout le temps qui dure genre 20 heures. Hein, c'est un peu chiant. Donc je sais pas, j'ai pensé à ça. Mais on verra si on le fait. Mais comme j'ai dit, voilà, la pêche c'est seulement bien si vous avez besoin de kérosène pour votre lampe. C'est vraiment bien que pour ça, seulement pour ça. Après, entre le temps passé et les calories que vous récupérez, non. Bon après, c'est oui, vous n'avez pas besoin de chasser, quoi. Mais bon, une fois que vous avez un arc, honnêtement, c'est tranquille. Je vais garder l'eau sur moi. Je poserai l'eau après. Enfin, quoi que. Enfin, bref, je poserai l'eau après. On va s'arrêter là. Comme j'ai dit, je vais aller crafter les bottes et tout ça. Donc, du coup, on fera encore un peu une petite ellipse, je pense. Mais on a bien avancé. On va manger. On va tout manger, le lapin. On va regarder un peu les habilités. Donc collecte de carcasses niveau 3, délai de collection de viande, moins 25%. Très bien, vous pouvez collecter 50% des carcasses gelées à la main, ça c'est vachement bien. Délai de collecte de peau et de boyaux, moins 10%, ça aussi c'est très bien. Ça c'est pratique, mais bon, nous on a des... on a trouvé quand même pas mal d'équipements et tout ça, et on a de l'équipement, on a des couteaux et tout ça, donc c'est pas vraiment important, mais ça aussi c'est bien. C'est pour économiser en fait tout votre équipement, c'est cool. Cuisine niveau 4, les aliments cuits rapportent 20% de calories supplémentaires, aucune perte de calories quand vous forcez les conserves, et délai de cuisson, moins 20%, c'est bien. Et quand vous utilisez genre les faitous et vous mettez de la viande, genre au lieu d'une heure, maintenant c'est passé à 40 minutes je crois. Donc ça c'est cool aussi, si vous gagnez du temps. Donc ouais, on a bien fait, honnêtement, on a bien boosté la cuisine, on va très vite avec la cuisine. Je vais peut-être faire même encore, pas plus tard, pas maintenant, mais des ellipses où je fais que de la cuisine, genre avec les 0,5 là, et les steaks comme ça. Ça peut être bien, comme ça on est niveau 5 et puis hop. Le feu niveau 2, 55% de chance d'allumer un feu, ça c'est de base. Et les feux durent plus de 10%. Tir à l'arc niveau 2, stabilité de l'arc, moins 25%. Enfin, non, instabilité de l'arc, pardon, moins 25%, c'est très bien. Dégâts des flèches, plus 10%, c'est vraiment cool. Je crois que ça commence à être vraiment intéressant, c'est niveau 3 ou 4. Où ça augmente le saignement en fait, ça fait saigner plus vite. Ça fait plus de dégâts quand ça saigne, je crois, un truc comme ça. Et après le niveau 5 c'est genre on peut tirer accroupi, ça c'est le top. Raccommodage on n'a pas vraiment encore augmenté, donc il faudra continuer. Mais ouais. On a du bon. Donc comme j'ai dit, prochaine fois on aura donc les bottes. Les bottes. Donc très très bonnes bottes. Et après pantalon ce sera pour plus tard. On pourra faire un manteau en peau d'ours. Ça aussi, mais ce sera encore pour plus tard. Il faudrait voir s'il n'y a pas un élan qui traîne. Comme ça, on a ça. Ça serait vraiment très très utile. C'est à peine 10 heures. Et c'est une sacoche, ça fait plus 5%. 5 kilos, pardon. Donc c'est vraiment cool. Après, comme j'ai dit, la fourrure en élan, elle est vraiment bien aussi. Mais bon, le mieux, c'est la sacoche de peau d'élan. Puis après, on a assez de peau, mais ça sera pour plus tard, parce qu'il faut encore quelques jours. Mais on pourrait faire un manteau en loup aussi. C'est bien. Voilà. Super épisode. Super épisode pour ce qui est chasse et tout ça. Vraiment très très content, très très fier de moi là, pour une fois. À la prochaine, portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao.